La cancelle a cette couleur. Vous savez pourquoi la cancelle a cette couleur? Elle apparaît après la pluie. Et sa forme dans le ciel, c'est quoi? C'est un aile. Comme la cancelle, c'est un aile. La cancelle, sa forme, c'est un aile. Elle est la position 14 de l'alphabet. 14, vous voyez 14 comme quoi? 6 plus 8. Donc, un par 14, c'est quoi? C'est 68. Si c'est 8 comme 68. Et 68 est dans le courant. 68 est dans le courant, c'est quoi? C'est la plume. C'est la sorte de la plume. Donc, cette forme N là, de l'arc-en-ciel, parle d'une plume. Elle a cette couleur. L'arc-en-ciel a cette couleur. Il a cette couleur. Cette couleur. C'est une plume, en fait, qui a quoi? C'est une plume qui a une couleur. Couleur comme couleur. Et couleur qui pour quoi? Allons-y, 7. 7, regardez 7. 1, décevant, 1, partout de 7, regardez. 7, ne cesse pas de chenille. 7, quand je l'écris comme ça, hein. Ah, c'est l'étude du 7. Et quand je l'écris comme ça, vous voyez facilement quoi? Vous voyez, il y a un plus dedans. Et là, le chiffre 1 aussi là. La plus 1. Voilà le 1. Et le plus. Voilà le plus. La verticale et l'horizontale. Ça va quoi? Plus. Voilà plus. Ah, la position 1 dans le premier, c'est A. Si c'est plus, hein? La liste, ça donne plus. Regardez A. A, c'est l'éclat. L'éclat. Voilà A. Ah, c'est l'éclat, ça. C'est l'éclat. Ah, c'est A, ça. D'abord, chronologiquement, d'abord c'est ceci. D'abord c'est ceci. Et ça qui est ceci. Et puis, après, c'est ceci. C'est ceci là qui est quoi? Qui est ceci. C'est l'éclat. C'est ça. Donc, c'est une plume qui est colorée, qui a des couleurs, et qui donne quoi? Plus d'éclat. C'est comme ça. C'est quoi? C'est le map. Map quoi? Qui donne plus d'éclat? Pourquoi? Ah, ok, allons-y. Plus d'éclat. Regardez 7. Encore. 7. 7, c'est quoi? Ah, la plume 7, c'est la même chose. Ça, c'est quoi? C'est lecture. Regardez 7. Là, parce que c'est comme lecture. Parce que 7, c'est quoi? Une rotation de 7, vous allez trouver 4. Quand on tourne 7 d'une certaine façon, vous allez trouver le nombre 4. Et 4, c'est quoi? C'est le mec qui est en train de décrire. Qui a pris sa plume. Voilà la main. Plus précisément, la main gauche. Et voilà la plume. Maintenant, pour lire ce qu'on a écrit, le conseil, c'est quoi? Pour ne pas fermer ses yeux, c'est à rapprocher la feuille sur laquelle est écrit. L'écrit là, rapprocher les yeux comme ça, maintenant, vous allez le lire. Il ne faut pas rester comme ça, loin comme ça, et lire. C'est dangereux à vos yeux. Et l'écrit là, 4 là, approche, c'est ça qui est 7. C'est un 4 qui est redressé, verticalement. L'écrit là, l'écrit est sur l'horizontale, et sur l'horizontale, et puis on le tourne comme ça. Un 4 qui est écrit, on le tourne comme ça entre 7. C'est trop pour le lire. Quoi qu'il veut le lire, qui est devant là,
pas quelqu'un de bon, hein, tu l'es.